Un as de la vente, c'est quelqu'un qui commence par utiliser tous les symboles de son pays pour vendre l'image de son pays. Un photographe sérieux, et normalement on doit leur imposer ça, ça doit être obligatoire. Si tu refuses de faire ça, tu vas dans l'armée aux frontières. Ça veut dire que on organise une conférence comme celle-ci où on invite seulement tous les photographes du pays. On leur dit, votre mission, c'est de valoriser le pays. Donc chacun d'entre vous va aller dans une des régions du pays, je sais qu'il y en a 13, c'est bien ça. Vous allez aller dans les 13 régions, vous allez identifier tout ce qu'on a comme patrimoine dans ces régions, vous allez prendre les meilleures photos de ces différents patrimoines-là que nous avons, vous allez les mettre sur Internet, vous allez faire en sorte que le référencement permette à ce que chaque fois qu'on tape le nom du Burkina, ce soit ces patrimoines-là avec les meilleures images qui s'affichent. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Et si dans les 2 mois qui suivent, on se rend compte que ce n'est pas en train d'être fait, on vous achète des tenues militaires neuves. Vous partez batailler. Parce que vous ne voulez pas au travers de vos images améliorer l'image du pays pour qu'on gagne plus d'argent. Pour que ce soit eux qui prennent la pirogue pour... C'est ça qui doit se passer. Ils doivent prendre la pirogue pour venir chez nous. Qui n'ont pas d'argent, ils sont pauvres. Quand vous arrivez en France, les sans-abri sont là. Tu es obligé parfois de leur donner un paquet de Njoka pour les aider. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils ont quoi? Sur le plan intellectuel, ils sont idiots. Ceux qui ont fait un peu l'Occident, allez dans les salles de classe, les meilleurs, ce sont les qui? Dites la vérité. Ce sont les qui? En France, 60% des médecins sont africains. Si on enlève les médecins africains en France, tous les hôpitaux vont fermer. Il n'y a pas les médecins français. Ils sont où? Ils sont faibles. Est-ce qu'on prend conscience de ça? Est-ce qu'on crée le cadre qui permet à ces médecins de travailler ici en étant fiers de le faire? C'est à nous de le faire. Donc, dès qu'on a fini avec les photographes, on passe aux vidéastes. Donc, la semaine-ci, ce sont les photographes, samedi. Semaine prochaine, les vidéastes se préparent. Ils doivent faire des vidéos les plus agréables possibles de ce pays. Ils doivent tourner des reportages. Ils doivent faire des spots publicitaires qui valorisent le pays. Ils doivent inonder Internet de vidéos incroyablement belles du Burkina Faso. De telle sorte que même si quelqu'un est en Thaïlande, dès qu'il tape Burkina, il y a 900 000 vidéos belles qui s'affichent. Jusqu'à il se dit que mais Burkina, là, c'est même quoi? Il faut que j'aille voir de quoi il s'agit. Comment un pays peut être aussi beau? Mais je suis sûr que quand je dis ça, au fond de vous, vous dites, est-ce que c'est beau? C'est le « est-ce que c'est beau » là qu'il faut enlever pour que vous soyez un as de la vente. Puisque vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Tu vas combattre au fond. Puisque tu ne veux pas contribuer avec ton intelligence pour améliorer l'image du pays, ça veut peut-être dire que tu préfères utiliser tes muscles. On se dit, hein? Donc, on t'envoie là où les interviennent. Et si tu meurs, tu es mort pour la patrie, c'est tout bien. C'est ce qui va nous permettre de nous développer. Et c'est ça, être un as de la vente en commençant par notre pays. La prochaine tournée qu'on organise, c'est au Togo et c'est le mois prochain. C'est-à-dire que nous allons être au Togo autour du 25 ou 28 avril et on va organiser un événement similaire à celui-ci. Et on s'est dit, au lieu de continuer de l'organiser seulement nous-mêmes, pourquoi ne pas le faire avec vous? Donc, s'il y a des personnes dans la salle qui souhaiteraient qu'ensemble, on puisse organiser cette tournée au Togo, qu'on puisse voyager ensemble pour le Togo, qu'on puisse vendre les tickets comme on l'a vendu, mais cette fois se partager l'argent ensemble, vous nous contactez à la fin, on va vous dire comment ça se passe.